Trésor, mémoire de radio, présente. Treceors, mémoire de radio, présente. Thirteenors, mémoire de radio, présente. Dreizehnors, mémoire de radio, présente. Madame, monsieur, bonsoir. Les malheurs, les gens les retrouvent bien assez tôt, le rire, on en aura toujours besoin. C'est ce qu'aimait à dire Louis de Funès, l'acteur comique le plus apprécié des Français, l'homme dont les grimaces, les ricanements et le rire firent rire et feront rire encore des millions et des millions de gens. Louis de Funès est mort la nuit dernière à Nantes des suites d'un accident cardiaque. Il avait 68 ans. Il avait été victime d'un premier accident cardiaque en 1975. Et depuis, il vivait le plus possible dans son château de Clermont près de Nantes où il aimait tailler les roses. Louis de Funès, qui s'éteint donc en pleine gloire, son dernier film « Le gendarme et les gendarmettes » date de quelques mois. Louis de Funès avait tourné plus de 100 films avant de devenir vers 40 ans une immense vedette populaire, la carrière, sa carrière, émaillée de quelques morceaux de choix Georges Bégout. Ah, les belles bacchantes et les spectacles branquignoles de Robert Derry ont été les premiers pas vers la gloire. Ah. 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 Au théâtre, il y eut le grand succès d'Oscar, qui deviendra un film de Molinaro. Nous allons faire une surprise à Colette. Je veux dire à Gabriel. Vous allez aller chercher ses bijoux et vous les lui offrirez comme cadeau de fiançailles. Alors de cette façon, sa mère ne pourra plus rien vous refuser. Vous croyez? Mais je vous le garantis. En 1964, Jean Giraud, qu'il avait déjà employé dans Pouic Pouic, va offrir à De Funès le premier film de la série des gendarmes. C'est l'explosion de sa popularité. Oui, 8 ans. Oui, 10 ans, j'en ai 10 ans. Et voilà, c'est reparti, il suffit que je sois là. C'est... Quoi? Oh, oh, c'est sans doute oui. Quoi? Oh, c'est trop beau, grâce à ça. C'est trop beau, Christophe. Quoi? Il y a du noir, beaucoup de couleurs. Quelquefois, on disait, mais il n'est pas commode. Non, non, c'est un homme qui était très, très timide. Et alors, si ne vous connaissez pas bien, il avait une peur, il avait une panique. Mais dès que vous connaissez bien, dès que vous deveniez un ami, alors, c'était un enchantement parce que chaque minute, cet homme voyait quelque chose de drôle que vous n'aviez pas perçu. Et vous le transmettiez. Alors, bon, pleurez de rire avec lui. Je connaissais comme homme, et c'est un homme... lorsqu'il était à l'aise, qui était vraiment très charmant, simple, avec moi, avec les gens, aimant la vie du pays. Il était un de vos fidèles? Alors, au point de vue paroissien, c'était un paroissien comme les autres, et très fidèle, lui. C'était un chrétien, il pratiquait régulièrement, il avait une foi très profonde. Gérard Oury a l'idée d'associer De Funès à Bourville en 1965. Le succès du Corneau est prodigieux. Il y a là un couple de comédiens dont le jeu se complète admirablement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Mais je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus. C'est pas grave, vous en avez besoin, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, à pied, ton bébé. Hein? Mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Mais écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. C'est mon vrai comique, c'est-à-dire un comique de situation. Vous savez, la situation, c'est toujours la plus grande situation du monde. C'est un monsieur qui lit son journal avec une chaise, quelqu'un s'approche, on lui fout une bombe là-dessous, et lui, il tourne les pages, il n'y a pas de... Et je voudrais arriver à faire un film comique. Ah, puis, oh, et je voudrais arriver à faire un film muet. Muet, mais c'est très difficile à écrire, mais pas muet comme du temps du muet. Muet avec tous les bruits, les sons, mais où les gens, s'ils n'ont pas à parler, s'ils mangent, pourquoi voulez-vous qu'ils parlent de votre monde? En 1967, la Grande Vadrouille battra tous les records de recettes. C'est sans doute pour De Funès le sommet d'une carrière qui compte une centaine de films de valeur très inégale. Non, monsieur, on me bavarde. Vous me bavardez toujours. Là, soyez avec nous. Vous avez la langue bien pendue, bon sang. Nous reprenons au numéro 17. Oui.
C'est moi, maître. Et où vous croyez-vous? À l'opéra, maître. Amusant. Sortez! Mephisto, Marguerite, Faust, sortez! Je ne veux personne dans la salle lorsque je travaille! Je ne veux que Berlioz et moi! Voilà! Par malheur, il perd sa place. Si on le remplace, je serai pas inquiet. Il pourra grâce à ses godasses devenir sireur de parquet. Quand je me balade dans mes godasses, quand il se balade dans ses godasses, dans mes godasses, le monde est à moi. Dans ses godasses, le monde est à lui. Faut dire qu'un pas dans mes godasses, faut dire qu'un pas dans ses godasses, pour un douanier, ça en fait quoi? Ça rentre étroit, mais avec moi, dans mes godasses, il y a de l'espace pour vous et moi. Nous ferons le tour de la place, mais avec vous, vous avec moi. Nous ferons le tour de la place, mais avec vous, vous avec moi. Nous ferons le tour de la place. Vous avec vous, vous avec moi. Ça comme dans la vie d'un homme, hein? Et maintenant, Louis de Funès parle du comique émouvant de Charlot. Oui, mais lui, il pouvait faire, moi, je peux pas. Je me trouve limité physiquement. Je ne sais pas. Et lui, c'était, vous savez, moi, quand les critiques commencent à dire que c'était l'un des plus grands dramatiques, je ne pas du tout, c'est un fantastique et le plus génial comique. Dans lequel il met une petite pointe que son personnage lui permet de faire, que lui fait une petite pointe qui prend une grande valeur. L'auto-chahuté que nous venons de voir avec à son bord Louis de Funès, Géraldine Chaplin et Olivier de Funès est la quatrième vedette du nouveau film de Serge Corbeil, Sur un arbre perché. Louis de Funès, quelle impression cela vous fait de tourner avec la fille de Charlot? Ah ben non, mais moi j'en parle pas. J'étais très flatté, mais surtout, c'est surtout que c'est une... C'est, je sais pas l'envoi de fleurs traditionnel, mais ça va le devenir. Enfin, c'est que c'est une très 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 bonne comédienne. Ah oui? Ah oui, et c'est bien rare. Et puis qui est très au boulot, qui est vraiment au boulot, qui connaît son boulot admirablement, c'est une fille du show business. Voilà. Oui, c'est pas étonnant. Ah non, non, si, oh là là, oh, pensez-vous. C'est très étonnant, au contraire, justement, que ce soit la fille de Chaplin, c'est très étonnant qu'elle soit si sérieuse et si... C'est très étonnant. Géraldine Chaplin, c'est un rôle comique que vous avez là ou pas comique? Dans ce film? Oui, enfin, la comédie, c'est dans la situation, mais c'est un rôle comique, je crois, j'espère. Vous aviez déjà tourné en France, vous avez commencé au fond à faire du cinéma en France. Hein. J'ai commencé à faire du cinéma dans un film français, mais tourné en Espagne. Oui, c'était pas un beau matin d'été ou quelque chose comme ça. Oui. Vous le connaissiez un peu avant, Monsieur de Funès, non? Seulement par les films. Et qu'est-ce que ça donnait par les films? Est-ce que ça avait été un envoi de fleurs? Oui, c'était très bien. C'était très moi, bien. Moi, j'adore. Quoi. Fabuleux. C'est moi même, je me revois dans ces films, je suis étonné. Ah oui? Non, j'adore, je trouve. Enfin, c'est une chance énorme pour moi, en plus, de tourner avec lui. Bon, quel montage encore. C'est vrai que vous faites couper des choses au montage? Des choses un peu qui sont trop bien, oui. Des ah autres. Oui. Et vous allez je leur donne après en boucle pour chez eux. Vous nous expliquez un peu ce que c'est le film? Louis vous reprendra si vous dites des choses qui ne sont pas bien. Oui, alors c'est trois personnages qui se retrouvent sur un... Bon, je ne sais pas où commencer. C'est l'histoire d'un monsieur. Oui, qui d'un est monsieur. Moi, et puis elle, c'est l'histoire d'une jeune fille. Et lui, c'est l'histoire d'un jeune homme. Un monsieur qui c'était est un riche industriel qui est sur une très grande affaire et qui revient en voiture d'Italie et qui presque écrase un jeune campeur, qui est lui, qui
après fait une espèce de chantage et monte dans la voiture parce qu'il y a un embouteillage et il monte et il invite une jeune femme qui est moi. Donc ce sont trois personnages qui ne se connaissent absolument pas, qui ont un accident de voiture. Que je les dépanne en autostop. Oui. Pour aller à Cassis. Enfin, ça m'oblige à nous dépanner. Oui. Et ça ne m'amuse pas beaucoup, ça n'amuse pas du tout beaucoup ce personnage. Et après, on file sur la route et pour me presser, on va très vite. Très vite, et après ? Et après, on a un accident assez grave où la voiture fait et se retrouve par miracle sur un arbre qui est 150 mètres de en haut d'une falaise et 150 mètres de en bas. Et il n'y a rien à faire. Et chaque fois que bouge quelqu'un, la voiture fait crrr. Mais c'est arrivé. C'est tiré d'une nouvelle, c'est arrivé. Un fait divers. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé, mais quand même pas... Ils sont tombés sur un arbre. Non, c'était un arbre normal. Il n'était pas planté dans la falaise. Il y avait un arbre à part un sale qui était là. Le gars, il a fait ça, puis il est tombé dessus. Et ça, c'est vraiment... c'est arrivé. Ils ont été sauvés. Bah oui, il y a une falaise avec un arbre planté dedans, une voiture au-dessus, trois personnages qui sont comme ça. Ça, c'est de l'avion, ça. Parce que, oui, c'est peu de l'avion, parce que la voiture est en équilibre, quand même. Et puis, il y a moi qui suis un petit peu comme ça de temps en temps aussi. Voilà. Ah, bon, ben voilà, on comprend pourquoi ça dure une heure et demie, alors. Vous êtes tous les deux amoureux de Géraldine, non ? Mais pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah bon ? Ah non. Pourquoi ? Il n'y a pas un peu une histoire d'amour là-dedans ? Eux deux, pas moi. Il y a encore des personnages extérieurs, vous, tous les trois dans votre voiture, vous, finalement, vous n'êtes pas sauveteurs, ça. Mais les sauveteurs, il y a un avion, il y a un hélicoptère. Il y a votre femme. Il y a ma femme qui est Alice Sapricht, bien sûr, qui s'inquiète. Ah oui, Alice Sapricht. Oui. Dans un rôle comique ou dans un rôle tragique ? Elle est dramatique, mais, c'est très comique, bien entendu. Oui. Quel est le prochain film ? C'est un film qui s'appelle Jo, que je fais avec Jean Giraud, d'après la pièce qu'a joué Robert Lamoureux. Et c'est une pièce que j'aurais bien voulu jouer aussi. C'est la seule pièce que j'aurais aimé jouer depuis Oscar et La Grosse Valse avec Robert Derry. Je crois que c'est un très bon sujet. C'est d'après une pièce américaine, arrangée par Claude Magné. Et puis après, je fais le film de Gérard Horry, qui s'appelle La Folie de Grandeur ou Les Grands d'Espagne. J'ai encore des titres, c'est un titre baladeur. Et j'ai de la joie de faire ce film avec Yves Montand. Géraldine, vous êtes en Espagne, quoi. Vous tournez en Espagne, vous avez en plus un metteur en scène qui vous suit bien. Vous retournez en Espagne maintenant ? Oui, et je vais retourner avec Carlos Saura. Je fais un film, je ne sais pas, en janvier ou en février avec lui. Ça ne sera pas un film drôle, là ? Comique un peu noir. Là, je vais tourner un très très grand film d'un an. C'est le service militaire. Après, je voudrais que, là, c'est moi qui vais le prendre un petit peu en main, qu'il fasse du théâtre. Et puis beaucoup de théâtre. Ah. Pour bien apprendre le métier, pour connaître le public, voilà. Pour lequel il joue au cinéma. Avez-vous ? Peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas. Ça dépend de la pièce, je ne sais pas du tout. Mais je l'inciterai à faire du théâtre. Parce que c'est là qu'on connaît le public, c'est là qu'on rectifie le tir tous les soirs, c'est là qu'on peut... c'est la grande école du cinéma, du spectacle, c'est le théâtre. Thank you.
La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Oh, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt principal. Hein ? Oh ! Oh oh !» La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, monsieur Fortez ? Eh bien, dansez maintenant. » Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs, délaissent les patates pour se fouiller garate. La tomate en salade ou tomate farcie. À l'opéra, en chantant la Tosca, un grand ténor ayant manqué le la, en reçu ce soir-là. Des tas, sa femme en sortant de là le consola. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. Ça donne une bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé. Supprimons la bomba, supprimons la la la, et remplaçons-la par ce fruit délicat. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. À la pomme qui éclate, préférons les tomates. Les tomates, ça fait mal quand ça tombe sur le nez. Oui, mais quand on les mange, c'est bon pour la santé. Tomate, mon amour. Mange des tomates, mon amour. D'accord avec vous. Vous intéressez-vous à la protection de la nature beaucoup ? Mais non, mais moi comme beaucoup de monde, vous savez, je vois maintenant tout le monde est sensibilisé, moi je le suis beaucoup, mais pas plus que... Je crois que le français moyen maintenant très sensibilisé parce qu'il mange tous les jours, par tous les problèmes dans la nature.
Et comme le disait le commandant Cousteau, il disait, en utilisant le mot de Cambrai, il disait, mais enfin, merde, c'est pour ça que vous devriez défiler dans les rues et pas pour autre chose. Et puis, ouvrir les yeux au gouvernement. C'est pour ça qu'il faut défiler. Pour ça, là, on peut se battre dans la rue. C'est la seule chose qui vaille la peine. C'est la nature. Est-ce que, à votre avis, l'alimentation est un problème important, est un problème vital? C'est un problème capital, oui. Vital, bien sûr. Et vous y attachez de l'importance, vous, personnellement? Je ne sais pas, comme tout le monde, c'est la première, ça revient trois fois par jour, l'alimentation. Oui, mais enfin, vous avouerez qu'on mange un petit peu n'importe quoi. Ah, pas du tout. Moi, comme beaucoup de Français, parce que maintenant ça se généralise de plus en plus, je cultive depuis déjà, je suis en deuxième année, je cultive tout mon potager, tout mon jardin, mon verger, en culture biologique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun engrais chimique, aucun herbicide et aucun insecticide. Est-ce que, par exemple, pour un jardin d'une surface donnée, oui, ça revient plus cher ou moins cher d'utiliser ces produits naturels que des produits chimiques? Pour n'importe quelle surface, ça revient beaucoup moins cher que les produits chimiques. D'autre part, il n'y a plus d'insecticides à employer, c'est plus la peine, il n'y a plus de pesticides, il n'y a plus rien du tout. On n'emploie rien que ce produit-là. C'est un produit unique que l'on pulvérise ou que l'on poudre sur les légumes ou sur les fleurs, sur les arbres. On le fait surtout, absolument surtout. C'est tellement bon que vous pouvez en prendre dans votre café au lait le matin, vous en prenez une petite cuillère, vous la tournez, vous le buvez votre tasse et ça vous fait beaucoup de bien. Archipel de la musique, îles enchanteresses. Pourquoi ces terres chantées par le poète seraient-elles réservées à quelques privilégiés? On se représente volontiers, selon une convention hérité du romantisme, les amateurs de musique comme des individus à la chevelure désordonnée, au teint blême et au regard noyé dans la mélancolie. Et si la musique touchait de son doigt des fronts plus dégarnis et des visages moins exsangues, si elle se divertissait par exemple à déposer un baiser sur le front pointu de Louis de Funès? Louis de Funès, quelles émissions regardez-vous avec le plus de plaisir? Les émissions musicales. Ah? Oui. Et laquelle en particulier? Eh bien, les grands interprètes. Ben voilà, qui est tout de même un petit peu surprenant de votre part, oui. Mais pourquoi vous aimez? Ben, pas du tout, parce que j'aime beaucoup la musique, parce que je suis presque sûr que j'aurais pu faire un très très bon interprète. Et quels sont vos interprètes préférés? Moi, mes interprètes sont... parce que j'aime beaucoup et le jazz et le classique. Mais par exemple, vous m'en demandez les principaux, par exemple, Samson François en classique et Louis Armstrong... En jazz, c'est ça. Mais vous m'avez dit que vous auriez pu être musicien. En réalité, vous l'avez été. Oui, j'étais musicien dans les boîtes de nuit ou dans les cabarets. Et heureusement, parce que j'ai fait un an de piano dans le temps, mais je me rappelle, je ne sais pas lire la musique, mais je jouais dans les cabarets. Ça m'a servi d'ailleurs à vivre pendant que je commençais à faire du théâtre et du cinéma, où les contrats se succédaient de 7 mois en 8 mois à un contrat d'un jour. Alors ça m'a permis de jouer tous les soirs jusqu'à minuit, des fois 5 heures du matin. C'est ça, vous faisiez dans les bars ce qu'on appelle la musique de fond. La musique de fond, oui. J'ai fait la dernière maison que j'ai joué, c'était le club de Paris qui n'existe plus. Et je jouais de 5h30 du soir à 5h30 du matin. C'est-à-dire que la petite aiguille faisait 12 heures. C'est très long, la petite aiguille va très doucement. Je jouais sans arrêt, et défense de faire pipi. Mais on arrive à penser à ce qu'on joue? Ah oui, mais j'étais très fatigant. À la fin, à 5h30 du matin, quand je me levais, j'avais l'impression d'être Eric von Stroheim dans La Grande Illusion, comme ça. Je me souviens, je l'ai demandé mille fois, je pouvais plus parler. Tellement j'étais fatigué. J'étais en plâtre, en ciment. J'étais cimenté avec la forme du tabouret. Je n'ai jamais joué de classique, mais enfin, je connaissais les premières mesures, par exemple, de la deuxième rhapsodie, et la fin. Alors, il y avait un vieux monsieur qui avait des petites... il était avec des petites jeunes filles, des petites jeunes femmes. Alors il est venu. Bonjour, bonjour, ami. Alors, il dit, mais vous êtes premier pour le conservatoire. Il avait un petit coup d'envie. Je lui dis, oui. Mais oui, je pense bien. Il me dit, de Paris. Moi, je lui dis, je pense bien. Il me dit, jouez-moi donc quelque chose. Il me dit, jouez-moi la deuxième rhapsodie. Je lui dis, tout de suite.
Mais il y a l'atmosphère de Paris rondelle là-dedans. Alors il est allé s'asseoir avec les filles et j'attaque. Pa-bam, pa-bam, pa-ba-ba-bam, pa-bam, pa-bam, pa-ba-ba-bam. Et ce gars se retourne, comme ça, pa-bam, 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 et oh, mais j'ai joué pendant 6 secondes et après je me suis évadé. Tatsin, toute la musique ordinaire, quoi. Toute la musique de fond. Il n'a rien entendu, il n'entendait plus rien du tout. Et à la fin, j'ai fait tatsin, pa-bam, ring, paille. Il m'a applaudi. Voilà.
just a fancy lady.